Bonsoir à toutes et tous. On va faire l'appel nominal, sachant que Samy était en formation niveau non joint, mais en attendant, il a donné un pouvoir à Laurent. Alors, je suis présent, Laurent. Présent. Bernard Leclerc. Présent. Béatrice Paulin. Présente. Samy Zegar, donc, représenté. René Maratier. Présent. Jean-Claude Pénicaud. Présent. Jean-François Girard. Présent. Christophe Mouquet. Présent. Cyril Favreau. Présent. Michel Verriken. Le pouvoir de Michel. Pierre Martin. Présent. Jean-Claude Leguet. Présent. Daniel Esquiveur. Présent. Et François de Denier. Merci. Donc, le nom est largement atteint. Je peux peut-être vous donner peut-être quelques infos préalables à l'ouverture de ce conseil pour ne pas les oublier. Personne, naturellement, et le soleil reviendra, n'a oublié la fête du village demain et la manifestation sportive roller dimanche. Donc, c'est un rappel que vous mobilisez et nous mobilisez pour que ça se passe bien. Le début des travaux d'ADIC F, dont on parlera d'ailleurs, qui sera présenté lundi. Une réunion publique de présentation du projet d'aménagement du parc. Normalement, le 14 octobre, on a encore une incertitude. On a encore une incertitude parce qu'on revoit les services de l'État. Il y a encore des ajustements à faire, mais on en reparlera tout à l'heure. Et je signale la cravate, je ne signale pas la cravate de Laurent, il sort d'une réunion professionnelle, mais la cravate de Jean-François, que je salue, il nous représentait la cravate, c'est qu'il y avait des raisons pour qu'il y ait une cravate, habituellement il n'en a pas. On dégage, c'est la belle qualité de la voiture, Jean-François, mais il représentait le civum de l'Aiguillon La Faute. À la signature par la secrétaire d'État de la communauté locale du contrat territorial, du contrat de plan État-Région, pour le compte du CIBOM, et le contrat est un contrat territorial subvendé, puisqu'il nous y avons négocié 150 000 euros de financement pour la maison de santé. Et donc, moi, je ne peux pas être présent, donc ça m'a permis de ne pas avoir de travail ce jour. Et je remercie Jean-François, mais en même temps, c'était mieux placé parce que c'est le vice-président en charge du sujet au CIVOM. Ce qui permet de dire, et on a bientôt une réunion, cette fois-ci concrète, de présentation des projets d'architectes de la maison de santé, qu'elle se réalisera et qu'elle obtiendra donc 150 000 euros de financement de l'État qui sont acquis, 200 000 euros de financement que je négociais dans le cadre du contrat régional avec la Comcom. 80 000 de l'ADMR dans le cadre d'un don du crédit agricole pour Zinca. Donc on a assuré ainsi 430 000 euros de financement public et on est en attente de la réponse de l'État, cette fois-ci sur la DETR, un autre financement pour 200 000 euros. Voilà, c'était les nouvelles et les bonnes nouvelles du jour. Et je voulais en remercier celles et ceux qui y ont contribué. Alors, j'ai complètement oublié de proposer, de désigner un secrétaire, et Daniel y est prêt, donc merci pour Daniel. Et puis, je vous propose que nous débutions cette séance, après ces informations rapides, par le compte-rendu sommaire et l'approbation des comptes-rendus du 30 mai et du 18 juillet. Je dis quelque chose, tout va bien. Et c'est Laurent qui va nous faire ce rappel de nos deux séances. Alors, pour la séance du 30 mai 2016, le conseil municipal avait émis un avis favorable sur l'arrêté portant projet de périmètre par fusion de la communauté de communes du Pays de la Mer, de la communauté de communes du Pays de Saint-Hermine, de celui de la commune des Îles et du Marais-Poitevin, et de la communauté de communes du Pays Maroyer, sous réserve. Parce que nous avions émis une réserve, que la représentation de la commune de La Faute-sur-Mer soit conforme à sa juste place dans le territoire intercommunal. À titre de premier rappel, La Faute-sur-Mer disposait de trois délégués dans l'actuelle, dispose de trois délégués dans l'actuelle communauté de communes, qui dispose de 40 délégués intercommunaux, et la commune de La Faute-sur-Mer ne disposerait plus que d'un seul délégué sur les 72 sièges de la future communauté,
alors que la commune de Luçon, par exemple, dispose de 12 délégués contre 11 aujourd'hui, bien que le budget de fonctionnement de la Faute-sur-Mer ne soit que le quart de celui de Luçon. Nous avions aussi adopté la modification des statuts de la communauté de communes du Pinet-de-la-Mer dans le cadre de l'action sociale loisirs éducatifs enfants jeunesse, afin de garantir la sécurité juridique relative à l'accueil des enfants de mercredi. Nous avions attribué le marché de maîtrise d'œuvre aussi de l'entreprise SCE pour la rénovation et le développement du port pour un montant hors taxe de 156 260 euros hors taxe, comme je disais. Et puis, nous avions entendu diverses informations relatives au tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yonge qui avait rendu son délibéré à l'encontre d'anciens gestionnaires de l'association syndicale de la Val-du-Lay, de l'attribution du pavillon bleu des plages non polluées pour 2016, de la notification d'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour 2016 à hauteur de 18 962 euros et 71 centimes, notamment pour la rénovation des locaux du pavillon des Lules. Et puis nous avions évoqué le courrier de M. le préfet de la Vendée qui veut proposer au préfet de la région la modification des limites d'arrondissement de la Vendée suite à l'adoption récente du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale qui va se traduire à compter du 1er janvier 2017 par la fusion d'établissements publics de la coopération intercommunale situés dans des arrondissements distincts. Donc on vous demande d'approuver ce compte rendu sommaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci. Le compte rendu, on va le faire signer dans le petit compte. D'accord. Pas tout comme ça. Voilà. Le compte rendu de la séance du 18 juillet, cette fois-ci. Alors, le conseil municipal le 18 juillet a émis un avis favorable aux recherches de solutions afin d'accélérer l'indemnisation des victimes de la tempête Xynthia en négociant avec la SMAC. Suite aux effets pour la commune des actions judiciaires et administratives, suite aux conséquences dramatiques de cette tempête, de la tempête de 2010. Monsieur le maire a fait état de la décision prise sur délégation du conseil municipal pour l'attribution de la mission d'étude d'impact environnemental à ECR, Environnement, ce qui est une société, pour la réalisation de cette étude sur la zone du futur parc, et cela pour un montant hors taxe de 15 225 euros. Nous avons aussi accepté des décisions modificatives, notamment une sur le budget du port à hauteur de 300 000 euros, une autre sur le budget du golf à hauteur de 200 euros. Nous avons voté les tarifs pour les emplacements des camping-cars dans le centre-bourg, notamment pour le stationnement de 24 heures à 8,85 € et pour le stationnement jusqu'à 5 heures au prix et au tarif de 5 euros. Ces tarifs comprennent l'emplacement, l'eau, l'électricité, la wifi et la taxe de séjour. Nous avons déterminé des tarifs pour la location de la salle de la Maison du Port à des personnes privées et à des associations, sachant qu'elles restent évidemment gratuites lors des mises à disposition aux associations fautaises, culturelles, sportives et sociales. Nous avons accordé aux commerçants du marché le règlement des abonnements de 2 à 6 mois en plusieurs fois, et nous avons accepté à hauteur de 100% l'indemnité de conseil aux trésoriers payeurs pour son départ à la presse, qui était le 1er août dernier. Nous avions émis un avis favorable à l'avancement au grade d'adjoint technique de première classe à compter du 1er août 2016 d'un agent ayant obtenu son examen professionnel. Nous avons donné notre accord pour l'acquisition à 1,50 € des parcelles section AM 810, 811, 812 et 813 situées en zone rouge du PPRM. Plus la zone NE du plan local d'urbanisme, donc le terrain inconstructible, mais qui jouxte le projet du centre équestre. Ce n'est pas 1,50 m², c'est 1,50 €. Le mètre carré. Voilà, le mètre carré. Nous avons approuvé le rapport de la CLECT relative à la compétence tourisme et office de tourisme de la communauté de communes du Pinet-de-la-Mer à hauteur de 59 149 euros, ainsi que le nouveau montant de l'attribution de compensation qui maintenant en 2016 sera est de 460 696 euros. Alors nous avions entendu aussi des informations diverses, notamment quand il s'agit du stationnement dangereux rue Georges Clémenceau et à son marquage au sol, sur la circulation aussi rue des Violettes, le but étant d'améliorer l'information relative aux parkings proches. Et puis, nous avions évoqué le sujet des panneaux boulevard Vullé indiquant que le stationnement sont peu visibles car trop petits. Et on nous avait demandé de renforcer et installer, dès l'entrée nord de la commune, des panneaux de signalisation des parkings. Voilà.
Merci, alors. Je me souviens. Non, mais je fais, alors. Non, parce que j'ai été emporté par le truc. J'ai été emporté. Qui est d'avis d'adopter ce compte-rendu? Ah, mais c'est pour tu sais, c'est pour venir. Ça, c'est rien, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de vote contraire. Merci. Ah, mais c'est pour s'assurer. Merci. Alors, on attaque le compte-rendu, donc, ce soir, je vais faire passer l'original. Non, ça, c'est donc le premier, je vais faire passer le deuxième, l'original. Un mot sur le compte-rendu de la décision prise par délégation du conseil municipal depuis le dernier conseil. Au regard notamment de l'article 21-22-22 du Code général et de la délibération du Conseil général de 2014, j'ai accepté un chèque d'un montant de 3 000 euros offert par le même commerçant en 2015 qui souhaitait apporter sa contribution sous forme d'un don aux animations organisées par la commune. Je tenais ici à vous faire l'information de ce don. L'encaissement de ce chèque a été réalisé par le TPG de Moutier, c'est assez rare, donc, mais en même temps, je le dis, ça peut susciter des vocations. Ça sera l'occasion de Bernard de continuer à développer notre animation. Pour donner, y compris envie, j'ai, par le TPG, donner un reçu fiscal au donateur pour preuve justificative, et ce qui permet de réunir des impôts. Donc vous voyez, tout est fait pour que tout le monde puisse contribuer à ce changement. Voilà, je préfère pas donner le nom, je l'avais donné off la dernière fois, c'est la même personne et on l'en remercie. Voilà pour ce point d'information qui ne sert pas de délibération. Alors, le sujet important de ce soir, après le conseil du mois de juillet, c'est la demande de paiement de 240 000 euros TTC d'honoraires notre Lévy pour la défense de René Maratier. Alors, je l'ai indiqué à René tout à l'heure, dans la mesure où il est parti à cette délibération, je l'invite à être, en tout cas, pas à voter cette délibération et être, à ne pas prendre part au débat, dans la mesure où il y a la défense d'un intérêt particulier, je préfère le dire. On va en même temps, si vous voulez bien... Je prendrai part au débat. D'une part, vous rectifierez les propos, ce n'est pas la défense de René Maraté, c'est la défense de M. le maire de la Foute-sur-Mer, ex-qualité René Maraté, d'une part, au moment de la tentative d'initiative du procès, et d'autre part, de la commune de la Foute. Alors, je ne crois pas, mais on le verra dans l'analyse. Ah non, mais c'est ça, hein. C'est pas attaquer en permanence René Maraté, c'est dire les choses vraies et la vérité juridique. Le maire de la Foute-sur-Mer, escalité René Maraté, d'une part, et la commune de la Foute, d'autre part. Alors, mes précautions d'usage sont des précautions juridiques. Elles sont les mêmes, et je le redirai, pour ce qui a eu trait à la délibération de décembre 2012, d'accord. Après, tu assumeras tes responsabilités juridiques, d'accord. Je fais cette précaution parce que la règle est une règle de droit, y compris de droit pénal, sur le fait qu'un élu ne doit pas prendre part à un dossier pour lequel il est en question. Voilà. C'est cette précaution, et c'est pas René Maraté que j'attaque ou que je vise, d'accord. Je fais cette précaution parce que c'est du droit. Et tu dois voir que, et tu le sais, l'environnement de ces affaires, de ces dossiers, n'est pas très simple. Je vais essayer de la clarifier par mes propos. Le 18 juillet dernier, donc, le Conseil a mesuré les effets pour la commune de la Foute des actions judiciaires engagées devant les juridictions pénales et administratives suite aux conséquences dramatiques de la tempête Xynthia. Il a également pris acte de l'effort de la SMAC qui a accepté de mettre en œuvre un certain nombre de remboursements au bénéfice de la commune et pour le compte de qui il appartiendra. J'y reviendrai dans le détail parce que les montants et les dossiers ont une telle complexité qu'il faut de temps en temps se redonner des chiffres. Depuis, et c'est voilà ce qui nous conduit aujourd'hui à vous alerter à nouveau. Et le rôle de maire, c'est de faire en sorte que sur ces dossiers, tout est transparent et tout est clair. Depuis, j'ai reçu le 29 juillet la communication par le tribunal administratif de Nantes, une requête introductive d'instance déposée par René Maratier le 6 juillet 2016. Contre la commune afin d'obtenir la prise en charge des frais irrépétibles mis à sa charge par la cour d'appel de Poitiers au titre de la protection fonctionnelle.
lors d'un entretien avec René Maratier le 3 août, des contenus des délibérations du Conseil du mois de juillet, du 18 juillet. Ce dernier m'a indiqué oralement qu'il retirait cette requête, puisque j'avais négocié les frais irrépétibles près de la SMAC. De ce fait, les frais irrépétibles qui pesaient sur l'issue de la cour d'appel étaient levés par mon intervention et ma négociation auprès de la SMAC. Lors de cet entretien et par courrier du 4 août, j'ai également demandé à René Maratier de clarifier la question. Je l'avais fait dans une séance préalable au Conseil du 18, je l'ai fait en direct. La question des 49 548,88 € de facture de Maître Souban, dont la SMAC l'a accepté de faire l'avance, c'est-à-dire la SMAC l'a accepté de les rembourser à la commune, si tant est que l'action de cet avocat était relative à la défense de l'ancien maire. Sans réponse, j'ai relancé donc René par courrier du 19 septembre. Normalement, on aurait dû faire un conseil vendredi dernier. J'avais d'ailleurs dû l'annoncer, mais il y a un certain nombre de choses qui nous ont conduit de décaler de 8 jours. Le 20 septembre, et vous voyez que je suis très transparent sur toutes les informations que je reçois et que je traite, Maître Maud, avocat de la commune, m'informait du mémoire en désistement de René Maratier en date du 6 septembre 2016. Et par courrier, répondant à mon courrier du 19, le 21, René Maratier me confirmait le retrait de sa requête au tribunal administratif et m'indiquait poursuivre ses discussions avec Maître Seban pour la partie des 49 548,88 €, sachant que René, je le redis, je crois que Nathalie Bille a dû le dire également, la SMAC est en train de solder son dossier et nous presse de réponse. Moi, je suis pressé de réponse puisque derrière, il y a la capacité ou pas de mettre dans le budget de la commune en remboursement par la SPAC, c'est presque 50 000 euros. Voilà pour la première partie des informations que je me devais de vous donner, puisqu'elles complètent, ou en tout cas, elles peuvent surprendre, en tout cas, elles ont eu lieu depuis notre conseil municipal du mois de juillet, et j'avais une obligation de transparence à cet égard. Par ailleurs, donc cette fois-ci, par courrier du 16 août 2016, Maître Lévy a envoyé à la commune une note d'honoraire, entre guillemets, restendue à son cabinet, de 252 300 € que l'avocat en question propose de réduire à 200 000 €, soit 240 000 € TTC. 252 300, je le redirai tout à l'heure dans les chiffres, c'est 302 760, puisque, j'insiste sur ce point, je le redirai tout à l'heure, la récupération de la TVA n'a pas lieu. Lorsqu'une commune paye des dépenses de fonctionnement, elle ne récupère pas la TVA. Donc la demande de Maître Lévy, elle est de 302 760, je ne préfère pas commenter la manière de rabattre des frais d'avocat, mais rabattu à 240 000 euros TTC. Je précise qu'à aucun moment la commune n'a traité avec Maître Lévy depuis 2014, et que je n'ai donc pas autorisé, en tant que maire, ni moi, ni conseil municipal, et à ma connaissance, l'ancien maire non plus, une telle dépense, et que par ailleurs, lors d'une réunion entre conseils municipaux, René nous a indiqué que Maître Lévy avait travaillé gratuitement, ce qui arrive dans un certain nombre de cas, parce que les avocats considèrent que l'écho médiatique de leur engagement vaut une notoriété qui leur permet d'accepter de travailler gratuitement. Je rappelle que Maître Metzner, auquel était associé a priori, alors je le crois, j'en suis pas certain, mais j'ai toujours entendu que Maître Lévy était l'ancien associé de Maître Metzner, on peut le confirmer ici, et Maître Seban ont défendu René Maratier lors des actions du CIR des Sables et de Poitiers. Conformément à ce qu'il avait été fait précédemment, parce que moi j'essaie, même si ma négociation était conclue avec la SMAC le 18 juillet, c'est pour ça que je vous ai proposé de délibérer, même si j'ai été surpris, et désagréablement surpris, parce que je trouve qu'il y a un moment où on met tout sur la table et on tente de traiter les dossiers et on n'en rajoute pas des couches par courrier successif. Pour autant, par courrier du 26 août, après avoir réinterrogé le président d'ASMAC, je l'ai saisi, afin de savoir comment l'assurance entendait répondre à la demande de Maître Lévy. Par courrier du 8 septembre, l'ASMAC m'indique que la mutuelle acceptait de faire l'avance à Maître Seban pour la défense de René Maratier de la somme de 16 000 € correspondant à une partie des honoraires de défense de René Maratier à l'époque. À la commune et à titre exceptionnel, ce qui a fait l'objet de notre délibération lors du conseil du 18 juillet, la somme de 75 646 € correspondant aux honoraires de Maître Metzner, après avoir déjà remboursé à la commune 30 000 €.
à René Maratier la somme de 3 583 euros en remboursement de ses frais, ce qui a fait l'objet de notre délibération du mois de juillet. La SMAC, elle n'était pas obligée de le faire, puisque elle l'a dit, puisque c'était l'objet du contrat, du troisième contrat, on va dire, m'indique avoir également pris en charge la somme, encore à titre exceptionnel, m'indique l'assurance, les honoraires de maître Seban pour un montant total de 90 342 euros, alors même que la garantie du contrat sécurité élu, souscrit par René Maratier, est plafonnée à 30 000 euros. La SMAC m'indique ainsi avoir financé pour une somme globale de 215 571 euros la défense de l'ancien maire, et on le dit, hors d'éventuelles factures de maître Seban, réglées par la commune, dont nous avons parlé tout à l'heure, les presque 50 000 euros dont il était question. Alors, les 215 000, pour qu'on s'y retrouve bien, c'est 16 000 plus 90 342, ça c'est maître Seban, d'accord, 16 000 d'avance, puis les 90 342, c'est 30 000 plus 75 646, c'est maître Messner, et au milieu de tout ça, il y a les frais de René Maratier pour 3 583, et je crois 20 centimes. Compte tenu de tout ça, la SMAC, dans son courrier du 8 septembre, m'indique ne pas souhaiter régler une nouvelle facture. C'est donc à la commune, si elle l'accepte, qu'il reviendra de supporter seul, sur son budget, le montant des honoraires réclamés par maître Lévy, dans l'attente de l'issue des procédures actuellement pendantes. Naturellement, vous savez qu'il y a une cassation possible, le juge administratif a saisi ces dossiers, donc on est là à un moment de l'histoire du procès. Malheureusement, il n'est pas fini. J'ajoute que la SMAC, à l'occasion de la négociation que j'ai menée, a accepté de couvrir pour le compte de René Maratier, via la commune, 262 800 euros de frais irrépétibles exposés par les victimes pour assurer leur propre défense. Alors, je me permets, parce que j'ai pas l'impression d'en avoir perdu un certain nombre, donc je me permets de vous donner tout ça en chiffres, pour vous rappeler les montants, et tout est excessivement compliqué, j'en conviens. Alors, j'ai essayé de résumer ça juste avant la séance, hein. Les sommes dont il est question. Donc, vous le voyez bien, maître Messner, 75 646,32, que la commune a payé, plus 30 000 euros. Donc, maître Messner, c'était 101 000 ou 102 000 euros que la commune avait payé à l'époque. D'accord ? Et Messner et Seban, donc jusqu'à 125 195, puisque se rajoute à ça les presque 50 000 dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on est là sur une balance, et je le dis, cette somme qui était à la charge du budget de la commune, qui d'ailleurs impactait en partie notre épargne qui était en difficulté, quand je souligne du jaune, c'est que ça fait partie de ma négociation, elle a été remboursée par la SMAC, d'accord ? C'est partie de cette négociation que j'ai menée. Deuxième négociation que j'ai menée, les frais irrépétibles. 262 800, c'est les frais que la Cour d'appel a mis à la charge de René Maratier condamné, d'accord ? Mais dans la mesure où, c'est ce que j'ai plaidé auprès de la SMAC, où le juge en appel a considéré que la faute n'était pas détachable, j'ai dit à la SMAC, c'est à vous d'aider la commune à couvrir cette dépense, 262 800, qui ont permis de couvrir la totalité des frais d'avocat des parties civiles, qui a évité à René Maratier mise en difficulté, y compris personnelle, puisque naturellement, les avocats des parties civiles étaient en train de saisir le juge d'application des peines pour mettre en œuvre une décision de justice. Je le répète, si la SMAC l'a mis en œuvre, c'est au titre, j'ai mis ici, protection fonctionnelle avec un point d'interrogation. Parce que la question de la protection fonctionnelle n'est pas traitée. J'insiste sur ce point-là, il ne faut pas croire que la protection fonctionnelle a été accordée. J'y reviendrai dans mon propos suivant. Mais c'est à ce titre-là que j'ai négocié les 262 800 de la SMAC. Les frais de René Maratier, 3583,30, j'ai oublié 10 centimes. Alors, un élément complémentaire qu'on a abordé lors du conseil municipal du 18 juillet, qu'on n'abordera pas ce soir, c'est que lorsque la commune, qui n'était pas partie au procès, s'est retrouvée citée à comparaître par la SMAC, je le dis bien, par la SMAC, par notre assurance, pour tenter, parce que la SMAC tente et tentait et tente toujours de se désengager de sa responsabilité, ils ont joué une clause d'exclusion de contrat, j'ai été contraint de défendre la commune devant le tribunal des Sables et devant la cour d'appel de Poitiers.
paradoxalement, je l'ai déjà expliqué, alors même que notre assurance nous mettait en cause, en tout cas tentait de nous mettre en cause, en tentant de se désengager de sa responsabilité. Donc j'ai négocié, et ça c'était 5 374,73 €. Vous vous rappelez d'ailleurs que j'avais fait un titre de recette au moment du budget primitif, qu'il y avait une bagarre et que c'était au couteau pour traiter cette question. C'est ce que j'ai pu négocier également avec ASMAC, souligné en jaune, 105 374,73 €. Donc la totalité des frais d'avocat que la commune a supporté parce que l'ASMAC nous citait à comparaître ont été remboursés par l'ASMAC. Reste des frais devant le juge administratif que la commune, pour le moment, est la seule à supporter. S'ajoute à ça donc la défense de René Maratier par Maître Seban. Donc c'est les chiffres que je vous indiquais, avec c'est la consultation des 16 000 et des 75 000, donc 106 342 €. Ce qui conduit, quand on fait les additions, à 553 746,35 €, plus les 30 000 ici, donc 583 000, c'est ce chiffre-là qu'il faut prendre en compte, hein. Il manquait 30 000 tout à l'heure, 583 546,35 €. Ça, c'est la somme qui a été dépensée autour des procès, autour de la commune. Et c'est la totalité que j'ai réussi à négocier en remboursement direct par la commune. Pour ce qui me concerne, René Maratier, pour cette partie-là, puisque cette partie-là le concernait directement, il s'agissait de frais d'avocat de Maître Seban, qu'il a négocié directement avec l'assurance, que je n'ai pas négocié. Il a acheté une prestation directe à Maître Seban. Il n'y a pas un contrat entre le maire de la commune et Maître Seban. J'insiste sur ce point parce que la question de l'édit se posera dans ces termes. Donc j'insiste clairement, ça c'est du budget de la commune, ça c'est du budget de la commune, ça c'est du budget de la commune puisque c'est des remboursements par la SMAC, et ça c'était du budget de la commune remboursé par la SMAC. Ça c'est une négociation directe au titre du contrat personnel de René Maratier. Donc la somme oscille entre 583 746, et je le dis parce que j'ai bon espoir de récupérer les sommes de Maître Seban, 633, 295, 23. Voilà. Alors, voilà, je crois que c'est peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est plus clair, mais en tout cas, ce tableau a le mérite de mettre à plat la totalité des charges que la commune a supportées et que René Maratier, mis en cause dans ses procédures pénales et civiles, a également pu obtenir par l'intermédiaire de son contrat. Je dis bien du troisième contrat qui était le contrat personnel. Alors, s'agissant du principe de l'octroi de bénéfice de la protection fonctionnelle, cette question a été abordée en décembre 2012 au Conseil municipal et je me permets ici de vous remettre, et on en a parlé le 18 juillet, je me permets de vous redonner les propos du Conseil municipal à laquelle se réfère Maître Lévy en produisant sa note d'honoraire du mois d'août. L'extrait du Conseil indique le 5 décembre 2012 sous la présidence de René Maratier, alors maire, le Conseil municipal de la Côte a voté une délibération octroyant la protection fonctionnelle pour lui-même au terme de l'article 21-23-34 du Code général des collectivités qui indique la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal, le suppléant ou ayant reçu une délégation ou l'un de ses élus ayant cessé ses fonctions, lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas de caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Lors du Conseil municipal du 18 juillet, je faisais trois observations. Le fait que René Maratier, ce qui me conduisait à mon observation en début de séance, le fait que René Maratier est siégé à la réunion du Conseil le 5 décembre et pris part au vote est de nature à mettre en cause la légalité de la délibération, indépendamment des conséquences pénales d'une telle participation. Je le redis, l'article 21-31-11 du Code général des collectivités dispose que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet. Ce n'est pas moi qui ai écrit le Code général, il est ainsi écrit. Deuxièmement, deuxième observation, le tribunal correctionnel des Sables par un jugement du 12 décembre a dit que les fautes commises par René Maratier étaient détachables et la Cour d'appel dans son arrêt du 4 avril a considéré que la faute de René Maratier était caractérisée mais indiquait que ces fautes graves avaient été réalisées dans l'exercice de sa mission. Donc ce qu'on appelle une faute non détachable. Troisième observation, la qualification ou le cas présent, les qualifications retenues par le juge pénal ne préjuge pas la qualification que pourra retenir le juge administratif, parce que c'est deux juridictions complètement différentes. Donc, le juge administratif aura à traiter la question de la faute détachable ou pas. En outre, les pourvois en cassation sont en cours sur la question de la détachabilité des fautes. Voilà.
Donc j'indique par ailleurs dans notre délibération aujourd'hui que le Conseil municipal, le 18 juillet 2016, n'a pas traité la question de la protection fonctionnelle. Je le dis tellement que je vous ai même rappelé l'énoncé de notre délibération et les trois observations qu'on pouvait faire sur la délibération de 2012. Il n'a fait qu'intégrer par sa délibération les accords de prise en charge négociés par mes soins auprès de la SMAC pour défendre les intérêts de la commune, de ses contribuables, mais aussi des victimes. Cette délibération va d'ailleurs au-delà de la question de la défense d'Aurélien Ramaratier, puisqu'elle traite également des frais d'avocat supportés par la commune, du fait des citations à comparer, je vous le disais tout à l'heure, de la SMAC au Sable d'Olonne, à Poitiers, mais également en cours de cassation. En fonction de l'ensemble de ces informations, il appartient au Conseil de trancher la demande pour le moins tardive de Maître Lévy, qui réclame 240 000 euros TTC à la commune, pour la défense de René Maratier au titre de sa protection fonctionnelle. Voilà. Il est donc proposé, parce que la liberté est ainsi faite, hein, soit d'accepter le remboursement de la facture de Maître Lévy, et donc d'assumer une augmentation des impôts de 26% environ en 2017, parce que 240 000 euros de dépenses de fonctionnement, c'est 26% de produit fiscal. Il faut se le dire, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et on n'emprunte pas pour payer un avocat. Car ce remboursement sera imputé, je le répète, en dépenses de fonctionnement de la commune et ne peut pas être financé par d'autres moyens. Soit refuser le remboursement de facture de Maître Lévy, en considérant que la réponse de la SMAC, d'une part, la défense des intérêts des contribuables, d'autre part, et le fait que René Maratier a déjà disposé à travers les remboursements de Maître Messner et Seban des moyens optimums de sa défense, je ne reviens pas sur les montants exprimés, mais vous avez vu, on ne parle pas de 10 000 euros hein, à chaque fois. On parle de centaines de milliers d'euros. Donc il ne s'agit pas ici de considérer que le compte est ouvert. Et je le redis pour être très clair, dans les commandes que la commune a assumées, y compris par le passé, que moi j'ai assumées parce que je ne les ai pas choisies, Messner, je me suis arrangé pour faire en sorte qu'ils soient remboursés, mais la commune n'a commandé, me semble-t-il, en tout cas dans ce que j'ai découvert, aucune défense au titre de René Maratier. C'est René Maratier qui l'a négocié avec son assurance, qui est tout à fait légitime, et la commune n'a passé aucune commande à Maître Lévy pour sa défense ou la défense de l'ancien maire. Donc, à ce titre, je vous proposais donc de voter soit une proposition, soit une deuxième proposition, chacun a la liberté de son vote. Voilà l'explication de ces deux informations. Vous l'avez compris, la deuxième est plus importante que la première, parce que la première, comme je l'ai indiqué, René Maratier avait déposé, plutôt son avocat qui l'avait fait, d'après ce que j'ai compris, devant le théâtre, puis l'a retiré, donc on considère que cette affaire est à la connaissance close. Alors, avant de se mettre au vote, y a-t-il des questions? Vous comprenez en même temps mon propos sur le caractère intéressé, enfin, concerné de René Maratier. Et je le répète, je fais du droit et je défends les intérêts de la commune et je n'attaque personne. Si ça avait été le cas, je n'aurais pas négocié depuis 5 mois avec la SMAC dans ces conditions. Je ne crois pas qu'on peut l'admettre. Et j'aurais peut-être attendu. On avait négocié aussi. J'aurais peut-être attendu. Voilà. On avait négocié aussi. Alors, s'il n'y a pas de questions. Oui. Simplement dire par rapport à l'intérêt des contribuables, sans peut-être constater que ça représentait 26% éventuellement du budget sur l'initiative 2017, je voudrais se persuader qu'ils vont vous notifier également qu'en 2018, les 26% pourraient les mettre à la baisse, considérant qu'ils n'auront pas à se faire jour sur l'imposition locale des contribuables. Ça sera pour une année définitive, mais émettez pas le contribuable de la faute en disant le procès de Maratier va coûter 26% des impôts locaux, il va coûter 26% sur une année. Et sur les autres années, il va systématiquement s'éteindre, il faudra que vous preniez une délibération pour faire une baisse de 26% qui a été autorisée sur un exercice précédent ou antérieur. Je pense également que... Moi, je ne préfère pas commenter ce propos, parce que... J'espère qu'il n'y aura pas un autre avocat qui va nous demander 240 000 euros. C'est la première action que j'ai à dénoncer depuis bien notifié. Je suis désolé, si les 26% représentent des 240 000 euros sur l'exercice 2017, il faudra bien qu'en 2018, tu enlèves ces 26% de l'imposition locale
parce que la facture aurait été payée, tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est simplement la première analyse. Mon propos et le texte, c'est d'augmenter les impôts de 26% en 2017. Naturellement, c'est one shot. Bien sûr, je le répète, si on n'a pas une nouvelle facture qui nous arrive. Ça faut le dire. Hein, non, mais moi, j'ai commandé aucun autre frais d'avocat, donc effectivement, il n'y a pas de raison que ça dure. Et ma bagarre, c'est justement de faire en sorte que la commune arrête de payer ce qu'elle ne doit pas payer. Y a-t-il un autre. Vous voulez dire autre chose? Alors, oui, moi, je n'ai pas le même article que toi. Hein, l'article 2123-34 du Code général des collectivités locales. Par ailleurs, je vous précise qu'en vertu de l'article L2334 du Code général des collectivités territoriales, vous bénéficiez de la protection prévue par l'article 11 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83, qui oblige la commune de la faute à prendre en charge les condamnations qui seraient prononcées contre vous, ainsi que vos frais de procédure, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice de vos fonctions ne vous est reprochée. J'ai cité l'article 23-34 du Code général des collectivités locales. Oui. Qui est le même, qui est celui sur la protection fonctionnelle. Et si j'ai négocié. 2123-34. Oui, j'ai cité, hein, il est dans le rapport, il est dans le rapport, il était d'ailleurs dans le rapport de 2012, d'accord ? C'est cité dans mon propos. Y a-t-il des questions ? Je voudrais parler parce que depuis 18 juillet, on a quand même été interpellé beaucoup sur ces questions qui, je crois, travail, les fauteuils et les fauteuils, c'est absolument normal. Et effectivement, le premier point, c'est la loi. Hein, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Et ça, c'était bien spécifié dans l'arrêt de la Cour de Poitiers. Donc je pense que c'est tout à fait normal, pas pour moi, que la commune prenne en charge les frais de défense du maire. C'est la loi, à mon avis. Et ceci pour dire qu'il n'y a pas d'arrangement entre Roger Maratier et l'équipe municipale. C'est l'application de la loi. Et je pense qu'on peut s'en tenir là. Ça sera bien pour tout le monde. Parce qu'on lit ici ou là, oui, mais c'est des arrangements entre petits copains. Non. C'est l'application de la loi. Ce qui met un trouble un peu dans cette interprétation de la loi, c'est que l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers a écrit cela. Il sera ici précisé à toute fin utile que seul l'auteur de l'infraction et non son assureur partie intervenante peut être condamné à payer à la partie civile les sommes allouées au titre de l'article 475.1 du Code de procédure pénale. Donc, les juges de Poitiers écrivent que c'est René Maratier qui devrait payer cette somme-là. C'est une contradiction, puisque d'un autre côté, l'arrêt de la Cour de Poitiers a dit que les fautes retenues à l'encontre de René Maratier ne sont pas détachables des services publics de même. Donc ça, c'est malheureusement une ambiguïté qui fait qu'on entend ici ou là des interprétations assez diverses. Mais je pense qu'il faut s'en tenir à la loi. Dans l'exposé que M. le maire a fait le 18 juillet, un long exposé comme ce soir sur la situation de l'après-procès, il y avait quatre points, et le quatrième point concernait les questions relatives à l'indemnisation des victimes. Donc, il rappelait que la Cour de Poitiers a confié au juge administratif le soin de fixer le montant des indemnités dues aux victimes. Il disait que, bien sûr, il y aura sûrement beaucoup d'années à passer encore avant que les victimes soient indemnisées. Et il a fait une proposition pour hâter l'indemnisation des victimes. Il souhaitait mettre autour d'une table les victimes, leurs avocats, l'assurance, la commune et les représentants de Bercy. Je dis ça parce que, de la même façon, on entend ici ou là des gens qui disent « Oui, mais dans toutes ces affaires, on ne parle jamais des victimes. » Or, je crois que ce qui a animé en partie M. le maire, c'est
de tenir compte de la situation des victimes, premièrement, et comme il vient de le dire, de faire en sorte que la commune n'ait pas à débourser d'argent dans cette affaire, du moins le moins possible. Sur l'aspect financier, rappelez-vous, le conseil municipal au cours duquel M. Maratier a présenté l'ouverture d'une ligne budgétaire de 200 000 euros pour faire face à la défense du maire et de la commune. Beaucoup avaient trouvé cette somme excessive. Nous en sommes aujourd'hui à 522 000 euros et auquel il faudrait ajouter la facture de M. Lévy, 240 000 euros, soit 762 000 euros. Pour mémoire, les dépenses de fonctionnement du budget de la commune sont stabilisées annuellement autour de 2 500 000 euros, avec une charge salariale de 1 million d'euros, un tout petit peu plus. Donc vous voyez que les charges de fonctionnement s'élèvent à 1 500 000 euros. 762 000, c'est plus de 50%. Et effectivement, pour aller dans ton sens, 1% d'augmentation des impôts locaux permettent à la commune d'encaisser environ 7 000 euros. Je voudrais dire que chaque jour, nous essayons de faire des économies de fonctionnement. Par exemple, on vient de changer le matériel de photocopie pour faire entre 200 et 300 euros d'économie mensuelle. Vous voyez où on en est. On en est vraiment à essayer de tirer partout où on peut tirer. Nous avons travaillé avec le paysagiste du parc du Marais Poitevin pour le fleurissement de la commune, ce qui a permis de faire une économie de 6 000 euros sur ce poste. Alors quand on est au travail chaque jour pour le meilleur de la commune, c'est un peu énervant quand même de se voir présenter une facture d'avocat en double exemplaire, puisque quand même c'est la deuxième facture d'avocat qu'on nous présente. Alors que par ailleurs, vraiment, ce dont on a besoin pour dynamiser la commune, des fois, on ne l'a même pas. Merci Bernard. Alors, peut-être trois observations sur les trois points. Je ne reviens pas sur le dernier qui nous mobilise tous les jours dans des conditions difficiles, parce que j'oublie de dire que les dépenses de la commune étaient de 3 millions d'euros, là où elles sont de 2,5 millions. C'est que non seulement on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a beaucoup diminué les moyens, et ça on l'a fait seul, parce qu'il y avait une situation financière grave du fait des décalages, notamment financiers, des recettes fiscales, des dotations globales depuis 2010. Trois observations. Je ne reviens pas sur la protection fonctionnelle, tu as rappelé le code général, que René rappelait également, c'est bien le même code, c'est bien le même code général, c'est bien le même article. Donc je n'y reviens pas, ça a été à la fois présenté au Conseil du 18 et présenté au conseil de ce soir. Je dis simplement que la protection fonctionnelle, moi je n'ai pas délibéré sur la protection fonctionnelle, d'accord ? Et je précise par ailleurs que la délibération de 2012 est nulle de plein droit, d'accord ? Pour les raisons que j'ai déjà abordées. Deuxième observation, j'ai entendu également Bernard cette question, en fait on m'accusait de ne pas respecter le jugement de la cour d'appel qui indiquait que c'est René Maratier, un cucu personnel, qui devait rembourser. Ce que j'ai négocié, et je vous le dis très clairement, ce que j'ai négocié avec la SMAC, c'est l'hypothèse où la protection fonctionnelle serait accordée, et dans ce cas-là, les sommes seraient demandées à la commune. Et le bon sens, y compris pour ne pas laisser le condamné René Maratier dans une situation difficile, parce que, il le sait, on en a parlé, les avocats demandaient par le juge d'application des peines des saisies, excusez-moi, 262 000 euros, c'est pas rien. J'ai estimé que c'était de mon devoir d'anticiper l'éventuelle question de la protection fonctionnelle en négociant ces 262 000 euros. Et il faut considérer que cette somme que la SMAC a accepté de rembourser, elle l'a fait par l'intermédiaire du budget communal. Parce que ce que j'ai déjà dit, je l'ai déjà dit également, mais je le redis également à celles et ceux qui veulent l'entendre, parce que là encore, quand on veut raconter des bêtises, on en raconte. En droit français, je le disais à nouveau il n'y a pas très longtemps, le civil s'assure, le pénal ne s'assure pas. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes mis en cause au civil, vous pouvez avoir une assurance qui va rembourser les montants pour lesquels on vient vous chercher au civil. Mais vous n'irez jamais trouver un assureur qui vous dira « Monsieur l'assureur, si jamais j'étais condamné au pénal, est-ce que je serais remboursé ?» Non, c'est une règle de droit français. Et cette règle de droit français, elle est rappelée d'une autre manière dans l'écriture du jugement de la Cour d'appel. Et je le redis, la contribution
de la SMAC, c'est une contribution négociée par la commune, qui transite par la commune. Voilà ce point de précision. Troisième élément, et tu as raison de le rappeler, j'allais le faire en fin de propos, moi je n'ai pas oublié la totalité de la délibération du mois de juillet, et j'ai passé une journée en négociation avec l'équipe d'avocats des parties civiles et les parties civiles pour tenter de mobiliser les parties civiles si elles le souhaitaient, parce que, je le répète, moi je suis maire de la commune et je souhaite simplement que les parties civiles ne soient pas oubliées, pour tenter soit de saisir le fonds, le FGPI, soit les fonds, la CIVI, la commission ad hoc, qui sont ces deux outils que l'État a mis en place, notamment pour traiter la question des victimes. Je vous le dis avec un peu de solennité, c'est encore plus compliqué après l'attentat à Nice, parce que vous avez bien compris que cet attentat terrible a à nouveau bouleversé les équilibres du fonds de garantie. Et vous avez peut-être entendu le président de la République, il y a 8 jours, aborder la question de la prise en compte des victimes comme un dossier majeur, parce qu'il y a un rapport de la Cour des comptes sur le fonds de garantie, et le fonds de garantie de l'État est en difficulté. Malheureusement, il y a énormément de sujets. Par ailleurs, et ça, il appartiendra aux victimes, à leurs avocats, de faire les bons choix. Par ailleurs, la question de qu'est-ce que prend en compte le fonds de garantie lorsqu'il couvre une dépense est une question importante. Je rappelle que en première instance, au Sable d'Olonne, le juge qui avait traité du civil, lui, l'avait estimé, je dis de mémoire, à 4,8 millions. Donc, il avait donc traité cette question. Ce que le juge de Poitiers n'a pas souhaité faire, considérant les éléments juridiques du dossier. Alors, ce que je peux vous dire quand même, c'est que ce qui ressort de la discussion avec Maître Lepage, principalement, parce que c'est le chef de file, c'est que, et je trouve que c'est plutôt une tendance, une orientation que je qualifie de positive dans la défense des intérêts de la commune, c'est que je ne suis plus le seul à militer pour une responsabilité de l'État devant juge administratif. Parce que si la Cour d'appel a modifié le jugement des Sables d'Olonne, on verra ce que dit la cassation, si elle a considéré que la faute n'était pas détachable, c'est qu'elle a considéré les fautes de l'État, notamment sur l'urbanisme. C'est ça qui a fait la différence entre les Sables et Poitiers. Et j'ai eu le sentiment d'avoir été entendu, et j'en ai plus que le sentiment, parce que j'ai déjà vu et lu la réponse du mémoire de Maître Lepage devant les procédures administratives, puisque maintenant, moi je défends la commune devant les procédures administratives, et j'ai trouvé puissant l'attaque des parties civiles, avec leur avocat, pour mettre en cause également l'État. Et pour le moment, j'étais plutôt seul à le faire. Et j'ai déjà alerté qui de droit au niveau du gouvernement en disant « Attention, on va peut-être vous demander la mise en œuvre du fonds de garantie si les victimes le souhaitent, mais par ailleurs, préparez-vous à être mis en cause sur les procès Xintia. » Parce que je m'y emploie et je souhaite ne pas être le seul. Vous voyez, et je vous montre ce faisant la transparence de ma démarche et le fait que je ne suis pas là en train de régler des comptes d'arrière-boutique. Il faut que les choses soient claires entre nous. S'il n'y a pas d'autres questions, je... Oui, Christophe. Il a donné... Maître Lévy, là, il vous a rien dit, il a envoyé sa facture comme ça, il n'a pas dit pourquoi... Non, c'est marchand de bousin... Non, c'est... J'ai même trouvé... Il fait une facture de 200 et quelques... Puis après, tu la baisses de 50 000 euros, c'est bizarre. Ouais. Je pense que quand tu négocies une bagnole, c'est à peu près ça, quoi. Enfin, je peux dire autrement, je ne sais pas plus d'un. Mais compte tenu de la nature particulière de cette affaire, j'ai décidé, comme vous pouvez le noter, au terme de la note d'honoraire, de réduire nos honoraires de 252 300 à 200 000. Il envoie 3 mois après. Écoute, il me demandait peut-être que des remerciements pour... voilà. J'ai trouvé comme toi la méthode. Et cavalière, curieuse. Surtout s'il a dit qu'il ferait ça... Si vous voulez faire de la pub, il va pas s'en faire. Hein. Parce que là, c'est peut-être un article à mettre sur le journal. Moi, je m'occupe pas des articles dans le journal. Il y en a qui sont là pour ça. Vas-y. Alors, en tout cas, oui, je suis assez d'accord. Surtout quand même, notez quand même la totalité des honoraires hein, entre Metzner et ce banc. Excusez-moi, on est à presque 300 000 euros. Je veux dire,
300 000 euros dans des procès compliqués, c'est largement. Non, mais regarde, la défense de la commune, c'est 105 000 euros pour juste un procès de 3 semaines, même pas. Non, de les sables. Les sables. Ah, il y a les sables aussi, c'est la totalité. Ah oui, d'accord. Mais pour le dire, pour vous montrer en même temps, parce que c'est quand même intéressant de comparer les chiffres d'avocats, je ne crois pas que ça soit un secret, parce que ça doit être dans le. J'espère que ce n'est pas un secret, mais c'est dans le procès de Poitiers. Les honoraires de Lepage sont autour de 200 000 euros. Ben, vous faites les additions. Donc vous voyez qu'une défense de ce type, d'un procès de ce type-là, et je crois que c'est en centaine de parties civiles. Donc, vous voyez, c'est autour de 200 000. Nous, on est à 100 000 parce qu'on a fait, moi j'ai fait un minima, mais 200 000, c'est largement ce banc plus Messner, il n'y a pas besoin d'en rajouter. En tout cas, c'est ma proposition. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose donc. Alors, qui souhaite accepter le remboursement de la facture de Maître Lévy? Pardon? Oui, moi je. Non, je vote. Je ne veux pas voter. Il ne vote pas, bon, il ne veut pas sortir, il ne veut pas. Je ne peux pas envoyer les gendarmes, les autres gens ont des bonnes intelligences, normalement. Donc, première, on prend acte du fait que René ne vote pas. Donc, qui accepte le remboursement de la facture de Maître Lévy et donc assumera, le moment venu, hein, c'est pas aujourd'hui, les impôts locaux augmentés de 26%, je rajoute, tellement évident, bien sûr, en 2017, dans la délibération, vous pouvez noter, c'est 26% en 2017. Et naturellement, l'ajustement fiscal, il vaudra pour une réduction du même taux alors. Car je le répète, ce remboursement sera imputé en dépenses de fonctionnement de la commune et peut être financé par d'autres moyens. Qui est, souhaite accepter ce remboursement? Qui s'abstient? Donc je considère qu'il est rejeté. Merci, à l'unanimité. Deuxième proposition, de refuser le remboursement de la facture de Maître Lévy en considérant et la réponse de la SMAC et la défense des intérêts des contribuables et en considérant que René Maratier a déjà disposé à travers les remboursements pour Maître Messner et Seban des moyens optimum de sa défense. Qui souhaite voter pour cette proposition? Qui souhaite voter contre cette proposition? Qui souhaite s'abstenir? Alors. Deux fois, Pierre. Tout à l'heure, t'as voté 5. Donc, refus. Oui, c'est leur qui a voté pour la première. Donc, 5 abstentions. Non. La première délibération a été rejetée à l'unanimité. Y compris la procuration. On est bien d'accord sur le vote. En dehors du vote de René Maratier qui ne vote pas. La deuxième délibération a été adoptée par la. À l'unanimité, moins, parce que les abstentions ne sont pas des votes, hein, moins les 5 abstentions. C'est bien ça, on est bien d'accord sur le déroulé de ce sujet. Je n'ai pas fait par vote. Oui, bien sûr, on mentionnera que tu n'as pas fait par vote, parce qu'on cherche à protéger, comme tu le sais. Je dis, on cherche à te protéger, comme tu le sais. J'espère. Alors, voilà, merci pour ce rapport. On va rentrer dans des choses peut-être un peu moins compliquées. Je souhaite, en tout cas. La décision modificative numéro 2 au budget de la commune. Il s'agit là simplement de la suite des réintégrations des subventions de la région. Je vous rappelle qu'on a négocié des subventions de la région pour le port et pour le golfe. Et que il y a un solde de subvention de 67 000 euros qu'il faut reventiler entre le budget principal et les budgets annexes. Donc je vous propose d'augmenter en crédit 67 000 euros, c'est le solde de la subvention de la région pour le golfe et le port, et de retirer en diminution de crédit sur le chapitre 21-31-5 de l'article 260, 67 000 euros. Vous savez que les décisions indicatives s'équilibrent toujours. Cela, ainsi, nous permettra d'intégrer la totalité des subventions de la région, 959 760 euros pour les deux sujets, golf et port. On reparlera du golf après si vous le souhaitez, mais je voulais vous donner cette explication. Y a-t-il des demandes d'explication? Y a-t-il des votes contraires?
Des abstentions, il n'y en a pas. Le rapport est adopté. Deuxième décision modificative, cette fois-ci sur le budget lié en investissement, à une facture relative à West Ham, lors de la modification du CU, dont Laurent vous a d'ailleurs parlé en commission de l'Urba, je crois, ce matin, si je ne m'abuse, pour un montant de 6 171,60 €, qu'il faut régler sur l'article 200, opération 251 rapidement. Regarde la négociation que nous avons menée, il est nécessaire d'abonder cette dépense puisqu'elle n'était pas budgétée. Et je vous propose de l'abonder par un prélèvement sur les dépenses imprévues, c'est de 0,20, à hauteur de 4 000 €. Donc équilibre dépenses-recettes pour 4 000 € sur cette décision modificative. Bon, pas de difficultés ou de commentaires sur ça, on en parlera plus tard. Pas d'abstention, pas de vote contraire. Le rapport est adopté. Bernard, tu nous parles du versement d'une subvention au comité départemental du sport en milieu rural pour 2016. Oui, monsieur le maire, le comité départemental du sport en milieu rural, qui est donc un organisme départemental pour la Vendée, nous a proposé gentiment d'organiser un concours de beach hockey à la Flotte-sur-Mer le 8 août 2016. Ça a été une après-midi très sympathique, il y a eu 70 personnes, 34 équipes. Et malgré que le contrat a été respecté, je vous propose, monsieur le maire, mes chers collègues, d'attribuer une subvention de 100 € à cet organisme pour cet effort d'animation qui a été fort bien apprécié. Merci. Tout le monde est d'accord ? Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contraire, merci Bernard. Tu nous parles des conteneurs isothermes. Oui, donc des 4 bacs. Nous avons acheté des conteneurs isothermes avec des bacs inox à l'intérieur. Ça peut servir pour faire des repas, pour préparer quand il y a beaucoup de monde. Ça servit par exemple pour la rando gourmande. Et un certain nombre de personnes peuvent être intéressées pour des professionnels, des associations peuvent être intéressées pour emprunter ce matériel. Alors je disais des associations, excusez-moi, parce que les associations locales c'est gratuit. Et donc on se propose de fixer un tarif de location à 15 € par container avec les 4 bacs inox qui peut permettre vraiment de préparer. Une centaine de repas à l'avance. Quoi, hein. Par jour ? Parfois, oui, parfois, par emprunt, hein, pas par jour, parce que ça ne vaudrait pas le coup. C'est du matériel qui ne coûte pas horriblement oui, cher. Par événement. Ça coûte 400 € par emprunt. Si je fais des emprunts le 2 janvier, puis je les rends que le 30 décembre. Je sais où ils seront. C'est un œil. Si j'irai les chercher, tu t'es dévoilé là. Tu auras du monde au réveillon. Merci Bernard, il n'y a pas de questions sur ce travail-là. Pas d'abstention, le vote est approuvé. Les tarifs de l'air de camping-car. Alors, sur l'air des pins. L'air de camping-car des pins, donc devant l'office de tourisme. Compte tenu des tarifs qui se pratiquent aux alentours et constatant que nos tarifs sont un peu faibles, ça a été même dit par les gens qui sont venus ici faire du camping-car. Oui, je l'assure, j'y étais à plusieurs reprises et à chaque fois. C'est rare, dire les gens, je paye pas. Quand des clients vous disent c'est super bien, mais c'est pas cher, on se dit bon, on va peut-être faire un petit ajustement. Donc on propose de passer au tarif suivant. Donc en période estivale, du 1er avril au 30 septembre, 10 €, y compris la taxe de séjour, je le précise. Combien c'était avant, Bernard ? 8,85. Non, on passe de 8,85 à 10. Non, pas 18. Et justement, on propose pour la période hivernale de rester à 8,85, donc du 1er octobre au 31 mars. Le stationnement pour 5 heures serait porté à 5 €. Merci.
Est-ce qu'il est prévu un aménagement pour l'accès, justement, parce qu'il y a des problèmes avec les camping-cars, quand il y en a deux ou trois, ça klaxonne, ça... Il n'est pas prévu des accès, mais il est prévu de faciliter... Faciliter l'accès, voilà. Alors, on est un peu victime du succès, parce que ça a bien marché cet été, ça continue d'ailleurs encore. Effectivement, quand un... Alors, c'est aussi lié au fait que le système... camping-car parc n'était pas complètement rodé, c'est-à-dire que les gens devaient s'inscrire, pour payer, les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas abonnés au réseau, mettaient un peu de temps. Ceux qui avaient leur carte de camping-car parc, ça rentrait immédiatement. Ouais. Donc on a des régulations à faire. Je sais que quand le dimanche, le jour de marché, on a discuté avec les commerçants autour, c'est une contrainte, c'est une réelle contrainte. Ouais. Bon, on y veillera. Ah mais ça, on fait de la régulation, mais on n'empêche pas le code de la route de s'exercer. Y a-t-il des avis contraires sur cette augmentation des tarifs? Des abstentions? Il n'y en a pas, le rapport est adopté, merci Bernard. C'est Laurent qui nous parle des portes de plaisance et des professionnels. Oui, il y a notamment des tarifs qui seront proposés au Conseil portuaire du 24 octobre 2016 par la collectivité. Les concessionnaires du port de la Côte-sur-Mer comme suit, sachant que ces derniers seront homologués par le conseil départemental en début d'année 2017. Alors je ne vais peut-être pas tous vous les lire, mais puisque d'abord je tiens votre attention sur le fait qu'on ne les augmente pas étant donné que le niveau de service du port ne sera pas augmenté dans les quelques mois qui viennent, du fait que on va commencer les travaux, on va un peu gêner vraisemblablement en fin d'année l'utilisateur. Donc on a décidé de ne pas modifier les tarifs. Pour ce qui est du port de plaisance pour les bateaux de moins de 6 mètres jusqu'à 12 mètres, on continue à aller de 671 euros pour l'année à 1309,50 euros pour les bateaux de 12 mètres. Les tarifs au mois, un bateau de moins de 6 mètres est à 219,25 euros pour aller jusqu'à 599 euros pour un bateau de 12 mètres. À la semaine, on va de 92 euros à 196,45 euros et à la journée de 11,50 euros à 28,50 euros pour un bateau de 12 mètres. Alors, pour le port des professionnels, l'accompagnement des plaisanciers, pour un bateau de moins de 6 mètres, on est à l'année à 671,65 euros. Je parle du port des professionnels et on arrive à 1309,50 euros pour un bateau de 12 mètres. Là, je viens de vous dire n'importe quoi, je reprends les tarifs des plaisanciers, excusez-moi. Et pour l'accompagnement des professionnels cette fois-ci, nous sommes à 169,70 euros. Pour l'occupation du terre-plein 1 mètre carré annuel est à 5,45 euros. La cale avec eau, électricité la journée est à 14,35 euros. La cale pour mise à l'eau et au sec est à 4,25 euros la sortie. La taxe d'utilisation des infrastructures portuaires, la taxe annuelle est de 293,10 euros. Et enfin, le tarif saisonnier pour la CAN de mars à octobre reste à 85,85 euros. Voilà. Juste faire un rapide, je n'ai pas tout lu, mais ça nous arrive. Voilà. Merci Laurent. Ce que je vous propose, c'est que lors d'une séance de conseil à venir, lorsqu'on aura fait les derniers ajustements du programme avec l'État, ce qu'on entame sur le domaine public par exemple, on présentera au conseil, Laurent, je laisserai présenter au conseil le projet affiné qui a déjà fait l'objet de concertation, notamment avec, dans cette salle d'ailleurs en fin d'été, avec les usagers du port. Alors, un mot sur le rapport suivant. Il s'agit je crois que c'est moi qui présente, le vote du taux d'indemnité de responsabilité versé aux auditeurs, c'est l'attribution de la NBI. Apparemment, je pense qu'il y avait sans doute un trou dans la raquette, puisque le trésorier, on a changé de trésorier, un nouveau trésorier, qui m'a écrit en indiquant que le taux d'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avance des collectivités et des établissements devait être fixé par délibération. Donc je pense qu'il y avait sans doute un trou. Donc je vous propose, au regard du Code général, de la loi, des décrets et des arrêtés relatifs au taux d'indemnité responsable d'être alloué aux régisseurs, d'approuver le versement au taux de 100% prévu par la réglementation en vigueur des indemnités de responsabilité attribuées aux régisseurs d'avance et de recettes qui remplissent les conditions énoncées par l'arrêté de 2001 et d'approuver le versement des indemnités prévues annuellement aux régisseurs titulaires sur base de 100% du taux fixé. Alors,
Bon, je pense que je parle en chinois. Bon, il y a des régies de recettes dans la commune, hein, les ports, enfin, pour ne citer que celle-là. Les régisseurs sont des agents municipaux qui agissent pour mon compte. Ils ont donc des indemnités de régie et de la NBI qui est liée aux régies. La libération, tout ça est de droit, hein, c'est les décrets et la loi fixent les conditions. La libération doit simplement vérifier qu'on verse 100% ou pas de la NBI. C'est ce que je vous propose de faire. Il s'agit de régies qui concernent Florence, Sylvie, Chantal, Janine, Adrien, Loïc, Héloïse, Sandrine et Jean-François, donc, qui sont des régisseurs. Donc je vous propose de l'appliquer par cette délibération, pour faire simple, à un taux de 100%. Ce n'est pas des sommes considérables. Hein. Pour votre info, une annuité de régie, c'est autour de 110 euros par an. Et la NBI, c'est autour de 20 points. La NBI est presque plus intéressante que la régie, parce que la NBI, elle est de droit. Quand on a une régie, on a une NBI. Qui est défavorable à ce taux à 100%, qui s'abstient. Merci. Bernard, tu nous parles d'un quad d'occasion. Oui, c'est assez simple. Donc le quad qui sert au service des plages devenait vieillissant et il a été racheté un quad neuf début juillet. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est de sortir de l'inventaire l'ancien quad, de le mettre en vente pour la somme de 600 euros et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. C'est simple. Oui, il faut vendre avant de le mettre en vente. Alors je mets ça au vote tout de suite et après je crois que je ne connais pas son état exact. Il était en très mauvais état. Il était en super mauvais état. Je ne sais pas si on le vendra 600 euros. Si, si, si. Il a été retenu. Au début de l'été, on était en panne de quad, mais il n'était pas réparable. Je pense que. Oui. Repris. C'est repris par. Quand on a acheté nouveau, il était. Ah, il a été repris. Il était. C'est une reprise. C'est une reprise. Tu ne l'aurais pas regardé. Hein. Mais il peut encore voyager, gars. Voilà, oui, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contraires? Il n'y en a pas. Tu voulais dire un mot? Oui, pour le budget du port, du moins pas le budget, les tarifs, on n'a pas voté. On n'a pas fait de vote. Pas fait voter. C'est vrai. Ouais. Je suis désolé. Alors, qui est pour, parce qu'on va faire un acte positif, pour la proposition de Laurent sur le port, sous réserve de l'accord du comité du conseil. Oui, non, c'est la proposition. Oui, parce qu'on vote pour une proposition, nous on ne vote pas pour les tarifs, on vote pour la proposition et c'est le conseil porteur qui va décider. Merci de m'avoir appelé, que j'avais oublié de faire ce vote. Alors là, c'est plus un prendre acte, c'est plus une information. Tu nous dis un mot de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Voilà, alors je vais la faire technique, puis après je vais vous expliquer. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de l'urbanisme, et notamment l'article L153-45 et suivant, vu le plan local d'urbanisme de la commune de La Flotte-sur-Mer qui a été approuvé le 21 décembre 2015, monsieur le maire informe que le conseil municipal, enfin au conseil municipal, qu'il est nécessaire d'envisager une modification simplifiée du plan local d'urbanisme en vue de rectifier une erreur matérielle concernant la règle des 3 mètres des articles 7, des zones UBA et N. En fait, on n'était pas extrêmement. Enfin, la commission urbaine est au courant, j'ai vu avec tout le monde dernièrement. Nous n'étions pas complètement satisfaits de la prestation fournie par le cabinet Westland qui a été notre accompagnateur dans la construction du PLU. À tel point qu'une dernière facture avait été émise et j'avais demandé à M. le maire de freiner, enfin, de ne pas la payer, parce que je considérais qu'on n'avait pas été servi. Donc des négociations, les griefs sont employés, sont partis, ont été échangés, jusqu'au moment où le directeur, enfin, le responsable de la société Western a téléphoné à M. le maire pour lui dire que voilà, il n'était pas d'accord avec les griefs qu'on lui reprochait, mais ne les acceptant pas, il acceptait l'idée que, effectivement, dans tous les PLU, quand ça fait 6 mois, 8 mois qu'on applique le règlement, que c'est un nouveau règlement, il se peut qu'il y ait des points de frottement, des points de
frictions qui fassent que le règlement ne corresponde pas aux besoins de la réalité du vécu de l'urbanisme local. Et donc, il nous dit, voilà, à chaque fois, il faut faire une modification. Ce que je vous propose, c'est, si vous payez la dernière facture, de vous offrir la modification classique d'après les 8 mois ou 12 mois de vie du PLU. Et j'avais demandé à une seconde fois à monsieur le maire de ne pas accepter cette proposition, mais de contre-proposer en disant que nous, on accepterait l'idée, mais à condition qu'il y ait une modification simple d'urgence et une deuxième modification au mois de février, quand on aura notre PPRL qui va forcément impacter le vécu du PLU. Ce à quoi nous avons reçu un courrier qui nous dit, moyennant évidemment le versement total du solde dû, en nous rappelant que cela ne signifie en rien l'acceptation des griefs que l'on fait, il nous propose donc une réalisation d'une première modification et puis une seconde réalisation qui aura lieu au mois de février, mais au plus tard le 15 février 2017. Donc voilà, comme l'article 7 qu'ils avaient rédigé, mais que nous, à la commission d'Urbain, on n'avait absolument pas demandé d'être rédigé comme elle a été approuvée, et c'est une faute peut-être de notre part de ne pas avoir lu après eux, mais ils sont censés être payés pour justement qu'on n'ait pas à relire. Ils ont carrément oublié d'écrire une règle qui était dans l'ancien plan d'occupation des sols, qui était propre et normal, qui était dans les zones N et les zones donc, nord et sud, et dans les zones UA, notamment UAB. Ils ont oublié de dire qu'on pouvait construire en limite de propriété au-delà du retrait de 3 mètres. Ce qui fait qu'il y a des pétitionnaires en ce moment qui nous proposent à la commission d'Urbain, à l'instruction, des demandes de permis de construire, ou s'ils ne peuvent pas être en limite de propriété, ils sont obligés de reculer de 3 mètres, ou s'ils reculent de 3 mètres sur leur terrain, ils ne construisent plus du tout. Parce que de chaque côté, ils n'ont pas le terrain nécessaire pour. Donc voilà, première modification, pour pouvoir débloquer une situation embarrassante pour nous, hein, puisque quand ce n'est pas le PPRL qui interdit la construction ou l'aménagement urbain, si c'est la mairie qui en plus, dans les zones blanches, dit non, non, vous ne pouvez pas, vous comprenez la difficulté des situations qui est la mienne. Donc voilà, première modification, et puis au mois de février, suite. Après février. Dans la négo, c'est 15 février 2017. D'accord. Au 15 février 2017, avec la commission d'en bas, on proposera les 5 modifications qu'on a déjà identifiées. Très bien. Voilà. Alors, ça, c'est un point de l'acte, parce que c'est une information qui suppose une procédure qu'on lance. Il faudra peut-être d'ailleurs. Qui est lancée, là. Bien lancer les consultations. Merci, Laurent. Alors, j'attire votre attention que pour cette règle-là, il n'y aura pas d'enquête publique. C'est une modification simplifiée. Tu nous parles de la désaffectation de la portion de la rue des Voiliers. Alors, monsieur le maire vous informe qu'une portion de la rue des Voiliers, qui est située entre la rue des Vignes et le boulevard du Lait, est intégrée dans le parcours du golfe de Neuf-Cri. Alors, en raison de la présence de réseaux qui sont sous la voirie et liés à la collecte des eaux usées et de parcelles privatives en limite séparative, cette voie sera maintenue dans sa totalité sous forme d'une route de largeur réduite. Avec un tapis d'enrobé ou d'un cheminement en prairie renforcée. La circulation des véhicules liée à la maintenance du golfe et des réseaux sera possible sur la totalité de la voie. Et cet aménagement permettra également de bénéficier d'une voie de substitution en cas d'intervention dans le cadre d'opérations de secours dans le sud de la commune si besoin était. L'accès aux parcelles privées qui bordent cette voie côté impair sera possible par la rue des Fleurs Sauvages. Et aussi, conformément à l'article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la voirie n'ayant pas d'usage public et son déclassement n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par celle-ci, monsieur le maire propose au conseil municipal sa désaffection de l'usage public. Et donc, on vous demande de vous prononcer sur la désaffection de la rue des Voiliers dans sa portion comprise entre la rue des Vignes et le boulevard du Lait. Et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette désaffection. Voilà, qui est pour ? Désaffectation. Désaffectation. Merci. Vous voyez le non, je suis pour. Je posais la question de
Est-ce que tu peux nous affecter une voirie, considérant que tu as une obligation d'accès aux propriétés qui sont encore sur le secteur? Oui. On peut le faire. À condition que tu ne peux pas atteindre justement la circulation. Ouais. D'accord. Et comme on les. On pourrait réfléchir ça, c'est bon. Alors, je peux faire tourner le plan. Il est là. D'abord, on va faire tourner si ça vous intéresse. Tu peux le faire tourner. Je vais tirer un mot du golf. Donc, par ailleurs, donc. Il n'y a qu'une partie en fait qui est couverte par c'est je crois le trou numéro 7 ou 8 qui est traversante de la rue. Là, elle sera enherbée. Pour le reste, vous verrez dans le plan une partie où on garde la voirie, y compris technique, parce qu'on en a besoin. Il y a des regards de tout à l'égout de Pluvial dont on a besoin. Il y a très cher de l'écart. Par contre, la voirie est réduite, ça s'invite. Et la voirie termine à desserte des propriétés privées, parce qu'on en a l'obligation, malheureusement il en reste. Et également, la voirie sur la totalité permettra une desserte pompier. C'est l'engagement que j'avais pris, qui permet en pire de situation, notamment d'été, d'encombrement ou de blocage de la commune, d'avoir une circulation nord-sud possible par là. Le franchissement piéton ne se fera pas. Enfin, on reparlera sans doute un jour des franchissements piétons, il y a des circuits piétons qui s'organisent autour du golfe, mais pas, naturellement, on ne traverse pas un golfe au regard des dangers. Donc le rapport est adopté. Alors j'en profite peut-être juste pour vous dire un mot. Bon, le golfe avance, vous voyez physiquement, y compris grâce à la pluie de ce matin, on ne souhaite peut-être pas demain, mais ça avance. L'association est très mobilisée, elle fait du gros travail. L'objectif d'ouverture est donc maintenu dans l'état actuel des choses et les entreprises qui font un travail. Je souligne, parce que quand les entreprises ne bossent pas bien, on le dit. Quand elles bossent bien, moi je le dis aussi, les deux grandes entreprises qui bossent, Cagel et Page, font un beau travail. Les équipes sont vraiment mobilisées et c'est du beau travail. Y compris le paysage, même pour ceux qui ne sont pas golfeurs, le paysage prend forme et je pense que ça peut-être nous éclairera la respiration dont a besoin notre commune. Moi, ça ne m'empêche pas de me pencher et de me projeter sur l'ouverture qui est donc prévue plutôt autour de parc 2017. Et vous savez, parce qu'on avait lancé une procédure d'ESP il y a environ un an, et que j'ai levé cette procédure de DSP au moment où l'opérateur principal du golf dans le Grand Ouest, il y en a deux au niveau national, mais celui qui agit beaucoup dans le Grand Ouest, je parle de Blue Green, m'a indiqué qu'il ne pouvait pas répondre à la consultation à la DSP qu'on lançait, c'était en février-mars, parce que son actionnaire majoritaire, la SOR, mettait la Blue Green. Donc ça a suspendu tout mon travail de recherche d'un opérateur DSP. Alors, j'essaierai dans mes propos d'être aussi discret et transparent que possible sur des opérations qui ne relèvent pas de l'action municipale, qui relèvent de l'économie. La SOR n'a pas vendu. Mais en même temps, je le dis, du coup, le projet de Blue Green de nouveau départ sur une activité électrique n'a pas eu lieu. Et par ailleurs, la SOR est une très grande et belle entreprise qui est soumise aujourd'hui à beaucoup de pression et de changement du fait de ses actionnaires. Donc je le disais, je ne vais pas dire à tout le monde, quand il y a deux personnes, y compris, je m'étais fixé moi comme objectif de voir clair. Pour un opérateur fermier à la fin du mois de septembre, parce qu'après, on rentre en compte à rebours. Et j'ai ce soir, là, pratiquement, enfin je dirais à 95%, certitude que nous n'aurons pas Blue Green comme opérateur du golfe d'Afoute-sur-Mer. Et je préfère vous le dire, parce que ça veut dire que je me prépare, j'ai déjà deux, trois trucs en tête, mais je vais accélérer le mouvement, à réfléchir à un autre mode de gestion. Et je le dis, qui, dans mon esprit, ne devrait pas. Je suis prudent. Hein. Je ne souhaite pas qu'il soit sous une forme associative, parce que notre association est très puissante et très volontaire, elle fait un super travail. Mais la gestion
Et la contrainte de gestion d'un golf, c'est une entreprise. Donc je ne veux pas qu'on mette des bénévoles, y compris en difficulté sur cette question, même si certains d'entre eux ont du savoir-faire et sauront nous aider. Je pense que la régie municipale n'est pas la bonne solution, même si nous avons un budget annexe. Donc je cherche une solution intermédiaire sur laquelle je reviendrai dès que possible. Je pense qu'au prochain conseil municipal, j'espère pouvoir vous éclairer un peu. Pour votre complète information, il faut savoir qu'un golf, ça n'a pas une rentabilité immédiate. C'est-à-dire que le plan de décollage du golf, c'est plutôt 3 ans ou 4 ans que 1 an ou 2 ans. Il faut se faire sa clientèle. Les opérateurs, y compris Blue Green, que j'ai rencontré, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, hein, c'est-à-dire les équipes le dossier de Blue Green était prêt, je le dis, hein, était un dossier complet. Ils pensaient que le fait qu'on ait ouvert le practice un an et demi avant, voire deux ans, deux saisons avant l'ouverture, était une manière de faciliter le décollage. C'est vrai d'ailleurs, puisque l'association compte plus de 150 membres, je crois, aujourd'hui. Bon, pour autant, il faudra se dire qu'on aura probablement trois années en situation de lancement complexe, donc avec un plan d'affaires complexe à organiser. Deuxième observation, c'est que, alors je vais voir, il y a un golf qui est très comparable au nôtre, à une différence près, c'est qu'il n'a pas de green synthétique, c'est le golf de l'île d'Oléron. C'est un 9 trous en situation littorale, avec une situation comme nous, de surcote l'été avec beaucoup de monde et de relatives difficultés l'hiver parce qu'il n'y a pas grand monde. Donc le golf d'Oléron, ce ne sera pas mon modèle, mais je vais aller voir comment il fonctionne. Il a une vingtaine d'années, hein, mais il n'avait pas de clubhouse, donc ils viennent de le construire. Je rencontre donc le maire et l'élu en charge du dossier pour étalonner un peu à la fois les chiffres d'affaires possibles et les charges possibles. Et donc ça, c'est un premier travail. Le deuxième travail, c'est la mesure de la ressource humaine qu'il faut pour faire fonctionner ce golf, qui, je le répète, est un golf en green synthétique qui ne suppose pas une personne, parce que dans des golfs, notamment des golfs 18 trous, vous avez une personne qui ne fait que les greens tous les jours, arrosage, traitement, sablage, produits phytosanitaires. Il faut qu'on fasse un plan d'affaires avec un golf qui soit économe, y compris de ressources humaines, avec en plus un clubhouse, la maison du golf, qui devra assumer une double vocation, à la fois de promotion du golf, de vente des green fees, de vente des abonnements, de vente des cours, de vente de l'enseignement, de vente des stages, mais en même temps qui fera tourner le clubhouse avec sa licence que la commune a achetée, ce lieu de convivialité qui s'ouvre sur deux terrasses, une sur le port, une sur le golf. Voilà l'information que je voulais vous donner. Bon, c'est une contrainte, hein, c'est-à-dire, moi je vous le dis, c'était plus facile pour nous de se dire, on met un opérateur. Alors en même temps, je désespère pas, je sais que la tâche pour nous, pour moi en particulier, est un peu plus compliquée. En même temps, je vous rassure, si vous inquiétez, on ne va pas faire vivoter un golf communal. Hein, le golf sera répertorié dans les réseaux nationaux et internationaux. Il y a d'autres opérateurs, mais qui ne sont pas gestionnaires, qui sont naturellement derrière nous et avec nous pour assurer la promotion. Je pense notamment à un grand réseau qui s'appelle Golfi. Que beaucoup d'entre nous connaissent. Je fais juste une observation off, comme on dit. J'ai y compris rencontré les opérateurs de La Rochelle, puisque l'idée de Blue Green, c'était l'idée de la mutualisation. Et, La Roche et Bourgenès sont Blue Green, et par contre, La Rochelle n'est pas Blue Green. Donc j'ai rencontré également les propriétaires et gérants de La Rochelle pour savoir s'ils n'étaient pas intéressés par une gestion croisée. Ils sont en train de démarrer leur nouvelle exploitation, ils ne sont donc dans l'état actuel des choses pas intéressants. Je préférais faire ce point. Pardon d'avoir été un peu long, merci pour votre délibération et on fera naturellement le point sur ce dossier à suivre. Laurent, je crois que tu nous parles du déclassement d'une portion du domaine public, cette fois-ci chemin de la Bergerie. Oui, c'est une deuxième désaffectation et déclassement d'une portion du domaine public situé effectivement chemin de la Bergerie.
C'est la parcelle AE129 qui n'est pas affectée à un usage public en raison de sa configuration topographique et historique. Un document d'arpentage a été réalisé afin de définir les limites exactes du terrain concerné par ce déclassement. Ce plan de bornage prévoit un accès à la digue. Est-ce que tout le monde voit où est le chemin de la bergerie qui va à la digue? D'accord, hein, c'est juste dans l'angle entre le blocos et ce chemin. C'est juste dans cet angle-là. Ce plan de bornage, je disais, prévoit un accès à la digue ouest et une réserve foncière de 3 mètres en arrière de l'ouvrage pour d'éventuels travaux de confortement. Alors, conformément à l'article L2141-1, que j'ai cité tout à l'heure, de la propriété des personnes publiques, le chemin n'a pas d'usage public et son déclassement n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, Monsieur le maire propose au conseil municipal sa désaffectation du tableau des voiries communales et son déclassement du domaine public. Alors, on vous demande de vous proposer, de vous prononcer, excusez-moi, sur la désaffectation et le déclassement du domaine public de l'emprise d'une surface de 103 mètres carrés, selon les plans et documents d'apprentage qui sont annexés à la présente, que je pourrais faire passer après, et autoriser le projet de division de la propriété cadastrée section AE129 et autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette désaffectation et au déclassement de cette portion et parcelle. Merci. Y a-t-il des abstentions, des votes contraires? Il n'y en a pas. On est dans une forme de régularisation. Voilà, alors justement, cette régularisation nous amène directement à la délibération 12, qui est la désaffectation, non, qui n'est pas ça du tout, qui est la cession d'une parcelle déclassée, qu'on vient de déclasser justement, celle du 21 chemin de la Bergerie, à l'occupant. La rappelle que le conseil municipal a constaté la désaffectation d'un terrain situé chemin de la Bergerie représentant une surface de 103 mètres carrés pour laquelle le document d'apprentage a été réalisé conformément au plan 6 juin que vous n'avez pas fait passer à la présente délibération et qu'il en a acté le déclassement parce que vous venez de le faire. Considérons que l'entretien de l'occupation et l'occupation de ce terrain a été réalisé depuis plusieurs décennies par les propriétaires de la parcelle mitoyenne ZB60. Considérant que M. et Mme Lesse, habitant le 21 chemin de la Bergerie à la Faute-sur-Mer, ont sollicité la commune de la Faute-sur-Mer pour faire l'acquisition de cette parcelle afin de régulariser leur situation d'occupation de ce terrain, puisqu'ils l'occupaient, en fait, actuellement, M. le maire propose au conseil municipal une vente à l'amiable de cette parcelle de 103 mètres carrés. Alors, après une visite qu'on a fait sur le terrain, et au vu des dernières ventes réalisées par la commune, derrière, hein, sur le terrain municipal, enfin le lotissement municipal, le prix de vente est proposé selon les modalités suivantes. 40 mètres carrés non constructibles en raison d'un vestige de la guerre 39-45 au prix de 1,50€ du mètre carré. Étant entendu évidemment que le classement éventuel de ce vestige, parce que vous savez que certains locaux sont, lorsqu'ils ne sont pas déclarés, à classer, et ce n'est pas le cas pour le moment sur celui-ci, mais ça pourrait entraîner des contraintes et des servitudes dont le propriétaire se fera la charge. Donc 1,50€ le mètre carré pour 40 mètres carrés, on a un prix de 60€. Et puis on a 63 mètres carrés de terrain constructible au prix de 195 mètres carrés. 95€ le mètre carré. Merci. Soit 12 285, auquel on ajoute les 60, nous avons un total de 12 345€. À ces sommes, il faudra ajouter aussi pour les acheteurs les frais d'acte notarié estimés à 2 500€ et les frais de division parcellaire estimés à 500€. Le total de cette vente est donc de 13 345€, sous réserve du coût définitif des frais du notaire et de division. Nous vous demandons donc de vous prononcer sur la vente de la parcelle de 103 mètres carrés à M. et Mme Lesse, Bruno et Dominique, 21 chemin de la Bergerie, 85 460, la Faute-sur-Mer, au prix de 15 345 euros. Voilà. Signer tous les documents et actes liés. Alors, je le disais, c'est une régularisation qui allait avec les déplacements, ce qui permet de finir avec un truc qui était qui méritait d'être réglé. Voilà. Et je pense qu'on le règle au mieux de l'intérêt de la commune et également de cette situation. Voilà. Il y en a qui connaissent bien les lieux. Y a-t-il des abstentions?
Y a-t-il des votes contraires? Il n'y en a pas. Merci. Ce rapport est adopté. Laurent, tu poursuis avec la participation pour Voirie-Rigaud. Oui, monsieur le maire. Il faut rappeler que le conseil municipal, que le 28 octobre 2002, une délibération avait été prise pour instaurer la participation pour voies nouvelles et réseaux sur le territoire communal. Un projet de division de parcelles privées sur les propriétés Ripo et Durivo situées sur la route de la Pointe d'Arcée. Et ce secteur n'est pas desservi par un réseau de collecte ou des eaux usées. Alors, on veut mettre en place justement un réseau et qui ne pourra avoir vocation de desservir d'autres parcelles du même secteur. Donc, on doit se prononcer pour la création d'une extension du réseau d'assainissement. Il s'agit donc de définir le montant de la participation du programme qu'on intitule « Construction des voies nouvelles et établissement de réseau lorsque ces travaux seront réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ». Et s'impose à tous les terrains concernés par le futur aménagement dans sa totalité. C'est l'article 49 de la loi d'urbanisme et d'habitat qui le dit. Et c'est un article du 2 juillet 2003. Monsieur le maire fait part du devis établi par les services de la SOR, puisque c'est eux qui sont intervenus sur ce sujet, exploitant du réseau d'assainissement, qui s'élève à 11 625 € et 29 centimes, et propose donc que ce montant soit supporté par les propriétaires de la parcelle. Des parcelles divisées. Après, alors, on vous demande justement de vous prononcer et de vous décider sur le fait que ces 11 625 € seront supportés par les propriétaires dans le cadre de la participation pour voirie et réseau. Et vous, les points vendus, hein. En fait, on te demande d'être d'accord sur le fait que les 11 625 €, c'est pas toi qui vas les payer, mais c'est les routes de la Pointe. C'est route de la Pointe, c'est la propriété du niveau. En fait, qui a ce terrain va être utilisé. Voilà, mais il n'y a pas de réseau là-bas. Donc, comme il divise son terrain, l'autre parcelle de son terrain doit être mieux. Et c'est lui qui supportera ces 11 625 €. On ne voulait pas les supporter. Ça permet de débloquer et d'autoriser un droit à construire complémentaire. Voilà. Dans une parcelle qui avait été envisagée au PLU déjà, puisqu'on avait borné cette parcelle avec des EBC, c'était un bois classé, et on pouvait construire une petite partie, et il vend cette petite partie. Mais pour la vendre, il y a besoin qu'on déclare un réseau. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Il n'y en a pas, ce rapport est adopté. Alors, je vous présente rapidement l'avenant 2 au marché des fils d'œuvre. Qui était le marché initial de G-West et Atelier 360 pour le projet de parc. Il convient en effet de passer un avenant numéro 2 au marché, parce que dans le cadre, alors le rapport et le plan de prévention des risques de la faute, je pense que c'est dans le cadre du PAPI, Nathalie, et pas dans le cadre, Laurent, je pense que tu partageras dans la liste d'Amar aussi. C'est dans le cadre du PAPI, les services de l'État ont demandé à la commune de réaliser une digue devant contenir d'éventuelles montées d'eau depuis le lait à travers l'ancien camping. Donc, à chaque fois qu'on aborde la question de l'aménagement du parc avec l'État, on nous ressort le PAPI. La première partie de cette digue devra s'étendre du transformateur électrique jusqu'à l'angle du boulevard du lait et de l'ancienne D46. Elle devra s'élever progressivement de 0,40 à environ 1 mètre. Donc, pour le dire autrement, nous, on a tenté de considérer que le PAPI, c'était une contractualisation, mais que ce n'était pas immédiatement notre souci d'intégrer ça dans le programme du parc, qui est déjà assez contraignant. Bon, on s'est assez vite rendu compte que l'État propriétaire, on est sur le domaine public maritime, n'entendait pas céder, ou en tout cas effacer la question du PAPI. Donc, on a la nécessité d'intégrer un ouvrage dans le projet de stationnement, dans le projet d'aménagement global du parc, en réalisant notamment un parvis d'accès surélevé qui comprendra donc un ensemble de murs de soutènement, une rampe pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, pour un coût prévisionnel de travaux s'élevant autour de 166 000 €, qu'on doit intégrer, qu'on doit intégrer dans le projet global du parc. Alors autant s'en servir, vous le verrez quand on aura un peu avancé avec l'État, parce que c'est une délibération qui nous permet d'aller à la négociation avec l'État, on va revoir le programme le 10 octobre, et donc de faire à suivre une réunion de concertation lorsqu'on sera calé avec l'État, pour le moins. Donc l'objet de la délibération, c'est d'intégrer dans le périmètre du parc cette contrainte
que le papy impose, et de passer donc un avenant 2 à la maîtrise d'œuvre, qui permet d'augmenter de 166 000 euros les situations prévisionnelles définitives du montant de travaux, d'augmenter le forfait définitif de rémunération, puisqu'il était initialement 86 000, il va passer à 95 000, et de répartir les honoraires, une partie sur le parc stationnement boulodrome, une partie sur l'aire d'accueil et les portes, puisque l'équipe chez West et Atelier réalise la maîtrise d'œuvre de ces deux opérations, ainsi que la porte des lunes et des amourettes. Voilà, donc ce faisant, on se met en situation de négocier avec l'État et on mettra en œuvre naturellement la délibération si on s'accorde avec l'État sur cette contrainte préalable que le tapis. Mais les voitures n'ont pas sorti Non, alors, tu fais bien de le dire, non, il n'y aura pas d'ascenseur à voiture. Et nous ne traitons, et on l'a dit clairement avec l'État, nous ne traitons que la bande qui longe l'ancien camping dans sa partie nord, du pont jusqu'à la canotte, et un prolongement jusqu'au premier bâtiment. Mais là, plutôt par muret. Donc, vous verrez, l'un des projets, c'est d'intégrer un des équipements dans cette digue, de se servir de ce renfort, de cette surélévation pour s'en servir comme un objet d'animation et d'intérêt. Mais en même temps, on vous le dit, c'est une contrainte. Une fois encore, on ne fait pas ce qu'on veut sur ce terrain. Alors, je n'ai pas la liberté de penser qu'il faut faire ce qu'on veut sur un terrain qui ne nous appartient pas, mais ce n'est pas facile de travailler là aussi sur cet équipement propriété des temps. En fait, l'idée, c'est aujourd'hui, le parc, ancien camping, à l'arrière, on a nos digues, en fait, hein, c'est celle qu'on connaît. Vous rappelez que l'État voulait carrément redonner, laisser à la mer, laisser au domaine maritime l'ensemble. On n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que si demain on veut faire quelque chose sur ce parc, il nous a été clairement expliqué qu'on devait rentrer dans le cadre de ce que déclarait le papy, c'est-à-dire d'envisager peut-être un début de protection plus devant la rue, comment elle s'appelle cette rue ? Devant chez Nathalie, voilà. Donc en fait, on a très vite compris que si on n'intégrait pas dans l'ouvrage cette petite partie de protection en arrière, on n'aurait rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui se négocie. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est un préalable. Quoi. Sinon, on oublie. Et ça a été très clair. Ouais, ça modifie le zonage. Alors. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est pour ça que. Non, mais la décision du papy d'assurer la protection de ce secteur par une digue, à terme, pourrait modifier les contraintes du PPR. C'est pour ça que vous l'avez remarqué lors de des réunions publiques, nous, on défend ardemment la qualité de camping. On a même proposé en fin de réunion, à la deuxième réunion publique, je dis si vous voulez, on va ensemble constater que la digue est de bonne qualité, qu'on a du ressuyage. Si vous voulez, tous les experts que vous voulez, venez, vous le constatez. Mais effectivement, une observation juste, si l'État considère que la digue du camping n'est pas fiable, on se retrouve avec une digue qui reviendrait donc beaucoup plus dans le centre-bourg, qui modifierait complètement le sujet. Je rappelle, parce qu'à une époque, moi j'avais vu effaré un projet de port, alors ça n'avait pas été arbitré, mais tu l'avais fait dessiner hein, avant 2014, et je m'étais dit, halte au feu, parce que là du coup, la bande de précaution, elle rentre complètement dans le village. Et alors là, on est fou. D'où l'idée de jouer subtilement des deux. Alors, en même temps, il faut admettre quand même que le papy, l'ancienne équipe le sait mieux que moi, elle a été construite à un moment, il a été arbitré, pardon, à un moment où l'État souhaitait rendre à la nature l'ancien camping. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un petit changement qui est aussi simplement lié, au fait que l'État a enfin découvert qu'il y avait
toutes les stations de relevage de l'assainissement de la commune qui étaient dans le parc. Donc on ne pouvait pas le rendre laid, parce que sinon on ne pouvait plus assurer l'assainissement de notre commune. Je voudrais juste préciser que pour l'instant, les digues de l'ancien camping sont considérées comme des digues de protection. Elles le sont toujours. Oui, ouais, mais fortement, oui. C'est pour ça qu'il faut les maintenir. C'est pour ça qu'il faut les défendre, quoi. Alors, à quelle asymétrie ils veulent mettre ces digues, parce qu'ils ont... Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Ah, ça ne bouge pas, là, l'asymétrie. Non, mais c'est... ils vont la mettre à combien, là, le long de la route, là? C'est 1 mètre, 1 mètre 20. Enfin, donc, il s'agit d'un mètre. T'es inférieur à ta digue derrière. Oui, oui. Sauf à partir de... De 0,41 mètres, en fait. Il va y avoir où, à 1 mètre, parce que ça part comme ça, là. Ouais. Oui, 0,41, mais après ça remonte. Hein. Ça remonte 40 au bout et 1 mètre au droit. Merci. Y a-t-il des votes contraires sur cette délibération? Y a-t-il des abstentions? Mais si le rapport est adopté, c'est Bernard, je crois, que dans la suite, marché complémentaire pour le pilotage de GWEST et 360 pour les ménagements qui ne peuvent pas. Et donc il convient également de passer un avenant au marché de maîtrise d'œuvre du parc pour les motifs suivants. Donc le marché de maîtrise d'œuvre pour les aménagements des stationnements, pour l'aménagement du boulodrome, pour l'aire d'accueil de camping-car et pour les trois portes, c'est-à-dire les trois ronds-points sur la route de la Pomme d'Arcée, a été attribué à l'équipe GWEST et Atelier 360, déjà au conseil municipal du 17 décembre 2015, dans le cadre d'une procédure adaptée pour un montant de 86 525 euros. Donc ça, c'est un rappel. Dans le cadre de l'autorisation d'aménagement du futur parc situé sur le domaine public maritime, les services de l'État demandent, en application de la réglementation, l'établissement d'une étude d'impact environnemental et d'une enquête publique portant sur un projet unique et global sur l'intégralité du futur parc. Il faut vraiment que l'État voit l'ensemble du projet et pas des bouts de projet. Donc, par ailleurs, certains ouvrages techniques ne peuvent être dissociés et répartis sur deux projets. En particulier la continuité des réseaux, l'éclairage public, l'électricité, la cohérence des pentes d'écoulement des eaux fluviales, la gestion des altimétries résultant de l'intégration de la digue et les interfaces entre les différents usages, en particulier les liaisons piétonnes. Donc, considérant premièrement que les prestations complémentaires sont nécessaires à la réalisation globale du projet qui doit être mené dans une même unité, pour les raisons que je vous ai exposées, considérant deuxièmement le montant du marché complémentaire de 43 100 euros hors taxes compte tenu technique similaire au marché initial et inférieur à 50% du marché initial, je vous propose de confier au groupement GWEST et Atelier 360 un marché complémentaire au marché initial selon les dispositions de l'article 12.3 du CCP du marché initial. Merci Bernard pour cette présentation. Des questions? S'il n'y a pas de questions, des abstentions, il n'y en a pas. Des votes, il n'y en a pas. Le rapport est adopté. On a fini les points juridiques de notre conseil. Un point d'information de Jean-François sur le fonctionnement de la composition du conseil des sages. Jean-François. Merci Monsieur le maire. Le conseil des sages a été créé, vous en souvenez, par une décision du 24 avril 2014, adopté par le Conseil municipal. Son rôle purement consultatif l'a conduit à examiner un certain nombre de dossiers d'intérêt général. Il a encadré la mise en place du réseau de voisinage et contribué à l'information de proximité. Il s'est réuni en séance plénière mensuelle à 22 reprises sur la période, séance plénière complétée par des groupes de travail thématiques. Il était prévu dans la décision du 24 avril 2014 que les membres du Conseil des sages étaient nommés pour 4 ans, avec renouvellement par moitié tous les 2 ans. Visiblement, c'était une ambition que nous n'avons pas forcément réussi à atteindre. C'est un renouvellement trop rapide. Aussi, pour améliorer les conditions de travail et l'efficacité de ce Conseil, il est proposé de porter le mandat des membres du Conseil des sages à 6 ans,
avec renouvellement par moitié tous les 3 ans. Malgré les conséquences de cette décision, de cette modification, il y a des démissions ou des disparitions. Et c'est ainsi qu'il a été proposé de nommer Madame Catherine Bénard et Monsieur Bernard Gorichon. Deux places restent à pourvoir. Alors, Madame Catherine Bernard est commerçante, camping de la Siesta, et habite à La Fosse-sur-Mer. Et Monsieur Bernard Gorichon est retraité, habitant également à La Fosse-sur-Mer. Alors j'insiste sur le fait que nous sommes attentifs à ce que ce conseil, composé de 15 membres, soit représentatif de l'ensemble de la population de La Fosse-sur-Mer. Je dirais que c'est une évidence, mais représentatif, d'abord la parité homme-femme, mais quelque chose, même s'il y a 15, c'est un peu compliqué, mais nous sommes attentifs à ça. Deuxièmement, représentatif géographiquement, le nord, le sud, le bourg, le centre-bourg. Représentatif au sens où il y a 2/3 de retraités et 1/3 d'actifs, en fait, communes, et nous continuons à suivre cela. Et nous sommes attentifs, monsieur le maire, à ce que ce soit des habitants de La Fosse-sur-Mer, plein temps, si je peux le dire, et c'est le cas. Voici les actualités concernant le Conseil. Donc là, c'est un point, voilà, puisque nous ne délibérons pas. Moi, je voudrais ici souligner la sagesse du Conseil des Sages et son travail qui est important et qui est un travail de l'ombre, dans l'ombre, mais qui est important et utile. Donc, je souhaite que nous puissions rapidement compléter le Conseil des Sages pour qu'il fonctionne dans sa totalité. Merci pour cette information qui ne nécessite pas de vote. J'en ai terminé pour l'ordre du jour officiel de la séance. On passe donc aux questions diverses avant d'ouvrir la séance pour des questions du public s'il y en a. Je crois que Béatrice a un mot à nous donner. Oui, bonsoir, pour l'école. Je vais vous parler de l'école. Cette année, l'institutrice de la classe primaire a, dans son projet pédagogique, choisi d'emmener des enfants dehors de notre commune, travailler sur le Moyen-Âge, pendant 3 jours et 2 nuits. Donc tout ça, ça a un coût. Soyez discrets, qu'on n'a pas trop parlé aux enfants, tant qu'on ne sait pas si on aura toutes les finances. Mais ça, c'est des choses de prévues. Et puis, la maîtresse des tout petits va faire du land art avec une exposition au mois de juin, place du Guy. Alors, à cet effet, elles ont demandé l'autorisation à la mairie de pouvoir, vous les verrez, on en a parlé, je ne pense pas que vous soyez contre, de pouvoir venir pendant 2 dimanches au marché, tenir un... Alors là, c'est la coopérative scolaire, donc ce sera avec les maîtresses. Et les enfants avec les maîtresses vendront pour ce voyage des SOS cookies. Alors, la SOS Cookies, c'est un bocal où dedans vous avez la farine, le sucre, les pépites de chocolat, etc. Vous mettez dans le saladier, vous mettez 3 œufs et vous mettez au four, vous avez des cookies. Donc voilà, c'est super sympa. Je ne pense pas que ça fasse de concurrence à qui que ce soit. Ils vont faire aussi. Magimix. Ouais. Voilà. Et ça coûte beaucoup moins cher que Magimix. Et ça va vraiment les aider à participer parce que c'est. Voilà, on récupère d'ailleurs. Si vous avez des grands bocaux de cornichons, des choses comme ça, les enfants vont les décorer, récupèrent à l'école pour pouvoir faire cette vente. Et puis, ils vont faire aussi quelques cartes de vœux qu'ils vont vendre et des petites décorations de Noël. Donc ça, ils ont demandé l'autorisation, les maîtresses ont demandé l'autorisation de venir 2 fois sur le marché cet hiver. Juste avec les maîtresses, hein. Avec les maîtresses. Faut le souligner, avec... c'est bien. C'est super à souligner parce qu'il n'y a pas beaucoup d'institutrices qui prennent le temps de faire ce genre de choses. C'est en école, c'est bien. Voilà, donc ça c'est bien. Et puis une autre, alors ils vont vendre des photos aussi comme tous les ans. Et puis autre chose, je voulais faire passer, l'année dernière je vous ai sollicité pour des sacs de courses avec les dessins des enfants qui sont très 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 pratiques. Cette année, alors c'est toujours avec initiative, hein, ça leur permet d'avoir des opérations qui leur rapportent un petit peu d'argent. Donc là cette année c'est des bulbes de fleurs, de plantes. Donc si vous voulez en passer un à chacun. Ça va être le moment. Hein. Alors, il faudra ramener votre commande avant le 10 octobre. Ah oui, c'est Oui, je ne sais pas s'il y en a un pour chacun. Alors on peut passer pour ceux qui veulent.
Donc vous ramenez à la mairie. Si rose, si rose. Peut-être qu'on pourra demander. Vous accordez, vous ramenez à la mairie, ça va permettre aussi de se faire un petit peu d'argent. On va peut-être demander à Eric de faire peut-être un petit zoom sur, ce, sur leur projet. On en parlera parce que en conseil d'école, je pense qu'on donnera même les dates à laquelle les enfants seront marchés. Ça rapproche un peu pour l'hiver. On a pas mal de temps. Oui. Après les bulbes, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Plus vous ramenez des bons de commandes pleins, et mieux c'est pour les enfants. Voilà, merci de votre attention. Merci. Y a-t-il d'autres questions par rapport au parc? Il n'était pas prévu un pas de tir pour l'arc? Il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de penser qu'il sera possible. Ouais. Mais c'est un peu une à la fois pour le moment. Mais c'est pas très compliqué à réaliser. C'est dans les possibles. C'est dans les possibles. Ça, oui. Christophe, tu voulais... Oui, moi c'était pour les poubelles, pour les commerçants. Oui. Depuis 18 septembre, ils ne pensent que le lundi. Alors les restaurateurs... Comme ils n'arrêtent pas de bosser, c'est super. Ben non, mais comme il fait beau, quand tu as des fruits de mer, des moules, des huîtres, tout ça dans ton conteneur, je te raconte pas. Là, avec la chaleur, ça... Ils pourraient quand même attendre la Toussaint pour... Parce que même le marché le jeudi, les conteneurs ne sont pas commencés. Le vendredi matin, il reste des poubelles sur le marché, il reste juste un dire. Il va déjà faire monter Bernard. Bernard, oui, c'est pour ça. Vous avez reçu du SMEOM le calendrier des collègues des gros producteurs. Effectivement, ils s'arrêtent le 18 septembre. Parce qu'il faut voir ça. C'est ce qu'on peut constater. On avait réussi à la demande de la faute sur l'herbe de l'étendre un tout petit peu, je crois, en avant-saison, mais en après-saison. C'est compliqué, hein. Il faut quand même rappeler que la règle, c'est que le syndicat des ordures ménagères est là avant tout pour la collecte des ordures ménagères, des ménages, et que normalement les professionnels doivent s'organiser pour que leurs déchets soient pris en charge. Donc voilà, le SMEOM a mis en place. 1200 euros quand même sur votre action sur les ordures ménagères. Ouais. Je pense qu'ils peuvent penser deux fois par semaine. Je vais être gentil. Sachez quand même que le coût d'une collecte, c'est énorme. C'est énorme. Et à cette saison-là, je ne sais pas ce que ça représente des ordures ménagères, des professionnels, mais ça ne va pas quand même être beaucoup, beaucoup. Quoi. Donc tu vois, ces équilibres-là, ils sont difficiles à trouver. Quoi. C'est vrai qu'en collecte, on n'a pas tort. C'est un vrai sujet. Y compris quand on a une arrière-saison comme on a. Ouais, ils doivent bien venir au marché des millions, ils viennent renverser. Mais c'est le nombre de collectes, c'est le nombre de sujets à collecter qui est très faible. Donc peut-être que Bernard faut peut-être noter effectivement, est-ce qu'ils ont une tournée en dehors de la tournée hebdo, est-ce qu'ils vont à l'Aiguillon? Ils vont à l'Aiguillon, après le marché à l'Aiguillon. On va regarder s'ils doivent renverser. On va regarder s'ils viennent vous-même à la tronche. Enfin, en même temps, je dis pour les questions de marché, on l'a dit en commission des marchés il y a 10 jours. Et l'Aiguillon d'ailleurs a changé ses méthodes, on a des changements également sur les déchets du marché d'été. Donc il y a un travail qui va se faire aussi. Ok, on le note et on regarde s'il n'y a pas un camion qui traîne en coin, quoi, pour le dire autrement. Quoi. Ça simplifie les choses. Y a-t-il d'autres questions au niveau du Conseil? S'il n'y en a pas, je laisse cette fois-ci la séance et je propose des questions s'il y en a dans le public. S'il y a des questions, vas-y. Moi, j'aurais voulu savoir si la commune de La Faute, soit directement, soit par l'intermédiaire du CIVOM, a participé au financement pour l'acquisition de l'ancienne station-service de l'Aiguillon-sur-Mer. La réponse est non. La commune de l'Aiguillon a proposé ce premier site comme le site potentiel de la maison de santé. Au regard des contraintes d'urbanisme, on a toujours émis un avis favorable sous réserve de la possibilité d'installer la maison de santé sur le site. Et lorsqu'on a constaté que le site n'était pas adapté, possible, on a indiqué à la commune de l'Aiguillon que le CIVOM ne l'achèterait pas, donc la commune de La Faute n'a pas participé à cette édition, ni de près ni de loin. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Mais écoutez, dans ce cas-là, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain, 10h.